Sur Investir Day, on souhaite rencontrer des jeunes investisseurs et leur en dire un peu plus sur l'investissement en action, puisque toutes les études montrent qu'à moyen et long terme, c'est l'investissement le plus profitable. C'est mon premier contact direct avec Air Liquide aujourd'hui. C'est plutôt une société que je vais placer en fonds de portefeuille qui va permettre d'établir une base saine. Je suis actionnaire d'Air Liquide depuis maintenant 7-8 ans, que ce soit dans la performance de l'action, la stabilité, la volatilité et les relations avec le service investisseur. Je n'ai que des bravos à dire. C'est une histoire qui a commencé récemment, mais qui va durer et que j'espère transmettre à mes enfants. On a beaucoup d'actionnaires qui viennent et qui apprécient en fait d'avoir quelqu'un en face et je pense que ça crée des liens pour eux et pour nous. Moi aujourd'hui, quelqu'un est venu me voir pour une demande d'ouverture de compte. J'ai commencé à investir il y a à peu près un an ou deux et du coup je cherche justement de nouveaux investissements et à avoir plus d'informations pour investir mieux. J'ai pas encore Air Liquide du coup, mais c'est une entreprise qui m'intéresse. C'est très intéressant en termes de pédagogie d'être capable d'expliquer l'intelligence artificielle à des gens qui ont des niveaux de lecture très très différents. C'est un moment d'échange très important et c'est l'occasion de partager ce qu'on fait chez Air Liquide. La R&D travaille sur de très nombreux sujets d'innovation qui vont impacter la performance du groupe Air Liquide sur le court, moyen et long terme. On a parlé de nos projets clés, des projets stratégiques, tous les projets associés à la transition énergétique. Avec une association étudiante, on est impliqué dans l'hydrogène en tout ce qui est énergétique. Donc je me suis dit pourquoi pas tester le stand. Et en plus, il y avait la disposition VR. Pour moi, c'était le top. On vient de nous apprendre quelque chose de génial, donc c'est pour ça que ça sert aussi. Venir sur le salon, il y a un festival en France pour un petit d'ouvrir un peu là. Mais nous, oui, on peut lui prendre des actions Air Liquide. Et aujourd'hui, à un an, il vient de fêter ça d'un an, il devient officiellement actionnaire. Actionnaire. Ça, c'est beau. C'est l'avenir. Aujourd'hui, on a de moins en moins de retraites. Et il faut des fois aussi pouvoir se la créer. Et c'est ce qui se passe en investissant. Je suis venue à Investir Day pour surtout parler de décarbonation de l'industrie et du transport. Alors bien sûr, par le biométhane, mais pas que. Quand j'investis, je regarde bien évidemment la performance, mais je regarde aussi aujourd'hui les critères extra-financiers, puisque tout ce qui est ESG aujourd'hui, c'est quelque chose de très prégnant. Les sujets O, je pense qu'il est le plus universel possible. Et ici, ça nous permet de transmettre beaucoup d'informations sur nos solutions. J'ai 20 ans et je suis étudiant. Je pense que Air Liquide, justement, est une entreprise intéressante dans ce cadre-là d'investissement éthique et durable.